Yo les potes, comment ça va? Aujourd'hui on se retrouve sur ma chaîne YouTube pour une toute nouvelle vidéo. Vous l'avez vu dans le titre, on va visiter le stade Rennais. Je sais pas comment je vais mettre le titre, etc. Je vais être au stade, ça va être la dinguerie. Tout ce qui va suivre là, ça va être un genre de vlog, de reportage, de... Je sais pas trop comment je vais faire le montage, etc. encore. J'interviens juste vite fait au début de la vidéo parce que il n'y a pas eu de vidéo hier. Enfin normalement c'est hier parce que à l'heure où je vais mettre celle-là en ligne, il n'y en a pas eu parce que j'étais à fond sur ce montage là et j'ai pas eu le temps pour vous dire de faire le montage de la vidéo d'hier. Ce que je vais faire vite fait, c'est que on va juste regarder le café qu'il y a aujourd'hui. Je vais vous laisser avec le reportage vlog et on se retrouvera peut-être vite fait à la fin pour déguster le café. Et là je viens de prendre le café, c'est l'Indonésie. L'Indonésie, un 4 sur 5. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vous laisse avec la suite du vlog. Stade Rennais, dinguerie, on a visité la salle des trophées, plein de trucs. Enfin je vous laisse découvrir tout ça en vidéo. Moi je vais vous laisser là les petits potes. Et puis on se retrouvera à la fin de la vidéo pour déguster ce café. Mais avant cela les amis, n'oubliez pas de mettre le petit pouce bleu, les abonnements et les commentaires. Let's go! Filmé d'aussi près. Ça arrive en temps. C'est pour le blog. J'ai une crotte. Oh. Après, je sais même pas en soi. Je sais même pas ce qu'il y a vraiment à prendre. Le mec, on n'entendait rien. Ouais. Dans, dehors. Mais certains joueurs souhaitent avoir toujours la même place. Vous savez que le footballeur, c'est quelqu'un de superficieux. C'est vrai. Même nous en district, on est tout en même place. Là où je suis assis, ouais, c'est vrai. On est tout en même. Circulez, allez jusqu'au bout. Vous avez donc le local du club. Hein? Allez-y. C'est quoi qu'il y a ici? Ligue 1, Uber Eats. Oh, il y a la feuille de match qui est là. C'est excellent. La feuille de match. Alors une fois que les joueurs sont prêts, donc bien sûr il va falloir, ben voilà, c'est le signal qui est envoyé par l'arbitre. Leur salle de chauffe mec, elle est incroyable. Putain, j'ai pas pris mon micro du coup. Oui, c'est vrai que pour que le salaire gagne, il faut s'abonner, mettre des commentaires et mettre des pouces bleus quoi. Voilà. Attends, là c'est trop stylé. Là c'est stylé. Putain mec, quand tu vas le SRFC là. Incroyable. C'est fou les refs, c'est fou, c'est fou. J'ai pas mis le micro, je sais pas si vous m'entendez bien mais. Hein Bruno, c'est tard les fous. On peut s'asseoir. On peut s'asseoir là. Numéro 14 Bourigeau. Oh numéro 14 Bourigeau mec, t'as numéro 13. Ah ouais c'est pas nous siège hein. Mec c'est fou quoi. Les gars, c'est une dinguerie, c'est la dinguerie. La dingue. C'est pas, on aurait ça dans tout le stade, ouais. C'est bien. T'imagines ? Mais il manque juste le chauffage en dessous. Ouais, ouais. C'est chauffant, ouais. Putain, mais comment tu vois, mec ? Ça fait de ouf. Genèse. Ça fait de ouf. Vous avez donc, vous êtes allé donc en tribune présidentielle, vous avez vu les loges. Alors ici, donc, le staff rennais de ce côté-là, bien sûr, le staff avec les remplaçants, alors que les visiteurs sont de l'autre côté. J'ai une question à vous poser, il y a quelque chose qui n'est pas très logique puisque le vestiaire des Rennais est là-bas. Ah oui. Non mais à l'époque c'était de l'autre côté je crois. Pardon ? Il y a quelques années c'était de l'autre côté je crois. Ah, complètement, les Rennais ont longtemps été ici. Mmh. Et ça a changé quand Roland Courbis qui a été entraîneur ici pendant 6 mois donc est arrivé. Alors pourquoi ? Il y a une raison. Non, c'était l'arbitre de touche. Ah bah oui, vu qu'il est situé tout le temps à gauche du gardien. Ah ouais. De ce côté-là, et Roland Courbis trouvait dommage quand même de ne pas pouvoir éventuellement raconter quelques histoires. D'accord. Voilà, on a un beau stade quand même, non ? Ouais, ah ouais. C'est arrivé comme ça. Il y a de la lumière, il y a de la lumière quand même. Je disais, c'était trop près. Ouais. Du coup, on voyait que ma tête, on voyait que là. Je ne pouvais pas mettre plus loin, il y a des sièges derrière moi. Mais moi, j'étais, regarde, moi qui étais au même endroit que toi, j'ai réussi. Mais tu m'as dit de... Est-ce que vous vous êtes embrouillé ? Non. Tu m'as dit dépêche. Oui, parce qu'il partait. Alors Bruno, ça se passe comment là ? Hein ? Ça se passe comment avec toi ? Hein ? Ça se passe bien. Ouais, nickel, regarde. Ouais, ouais. Je suis en train de filmer là. Ah oui, ouais. Ça marche. Les souvenirs, ouais. Ça, ah ouais, ça fonctionne là. T'as vu ça ? La pelouse est belle. Hein. Ouais, la pelouse est tellement belle. En train de chauffer là, elle chauffe la couenne. Là, c'est ma copine.
Ouais, on est ensemble depuis. Ouais. Ça fait combien de temps maintenant? Ouais, bien. On va peut-être bientôt faire un gosse, non? Ouais, pas tarder. Que vous avez fait là, hein. Ouais. Ah, c'est sympa. Et mettre ça en vidéo après, non? Ouais, j'ai une chaîne sur YouTube. Vous avez dû faire de belles photos, de belles vidéos, ouais. Également dans la salle de presse là. Oui, ouais, c'est dans le vestiaire des Rennais aussi. Oui, doute, aussi, ouais, également. C'est quoi ta chaîne sur YouTube? Steven Demicel. Avec un vieux supporter. Ah, bah, c'est sympa. Ah oui? Oui, juste rapidement quelques informations. La salle dans laquelle on se trouve, vous avez tout l'historique donc, du club. Vous avez parlé de la première galerie en bois. Vous savez, 1912. Vous voyez, elle est là. Là, vous avez maintenant la belle tribune Crédit Mutuel. Et ça a changé hein, quand même. Hein. Oui, d'accord. Vous avez toute l'histoire du terrain qui est là. Avec, à un moment donné, ils avaient même envisagé de faire un stade donc, sur la place du Général de Gaulle, là, vous voyez. Oh, excellent! Énorme! Regarde les écharpes qu'il y a! Ah ouais! Oh, c'est dinguerie là! Fier des traînées! Oh la dinguerie! Elle est trop belle l'écharpe là! L'écharpe là, elle est trop belle! Celle-là, elle est trop belle! Celle-là, je la trouve stylée, genre par rapport au Celtic! Ça fait le truc écossais! C'est énorme! Énorme! Ravi, gars! Je sais même pas. C'est ouf. Chelsea. C'est pour toi. Putain, excellent. Putain, la vache. Ça va être collector parce que ça, personne n'a trop les images là en fait. Oh, il y a Cabela quoi, qui est là, en photo. Krasnodar. C'est bien. Mais t'imagines, t'as ça. Trop stylé, ah, on s'achète toi là. Putain, ah, Fanny, c'est fou. Même ma famille, on est dans notre club. C'est trop stylé, je trouve. Ce qui est bien, c'est d'avoir leur maillot comme ça, là, signé et tout. Ah ouais. Putain. Championnat de France. Ah hein, oui, quand il a joué en équipe de France. Pays de Galles. France Pays de Galles, 2017. Michael Sylvestre. Wiltord. Kamavinga. Croatie-France. 1020. C'est ça que je voulais voir. Ça, c'est la folie. En 1912, c'était comme ça. C'est ça qui est fou. 1912, 1957, et là, 1995. Putain, la vache.
2015. Ah, là, c'est plus dans le vintage. Oh, les ballons. Oh, c'est le ballon est fou, le ballon est fou. Je sais pas, mais... J'arrive France. 80, non. J'ai l'impression que c'est France-Belgique 2-1. Putain, et là, c'est les pieds de qui, ça? On peut pas savoir. Ah ouais. C'est des malades. C'est des malades. Rico Robert, Sylvester. Rachel Louis. Raymond. Putain, ils ont des grands pieds, hein. Oh, c'est le mec qu'on a vu. Non, mais le nom. Ah oui, oui, bah oui, mais c'est la marque. C'est celui qu'on a vu au local, l'autre fois. Madame Bogart. Ah ouais. C'est le pote à Bruno, ça. C'était ça, on dirait des mi-bottes, mi... Ouais. Je vois. Costil, putain. Et le tableau, tu l'as pris, quoi? Non, justement, je l'avais pas pris. Il est magnifique. Il est trop stylé, par contre. Ça, t'as ça dans ta chambre aussi, ça? Moi, ouais. Un dingue, hein. Et apparemment, tu peux scanner des endroits. Ah ouais. Alexander Frey. Grand attaquant, ça. Putain. Alexander Frey. Il y a le maillot là. Ouais, il y a un mot. Là, marqué. C'est ouais, normalement, j'ai c'est toujours marqué. Gardé les meilleurs souvenirs de Rennes. J'ai vécu choc. Deux belles années ici. Et je suis fier d'être dans cette galerie de légende. Petro Cech. Putain, c'est le crack. Ouais. Crack, ouais. Petro Cech, c'est un crackasse. Et t'as vu, ah oui, ouais. T'as vu, il y a ton pote, Bogart, Vanden Bogart, tu l'as vu? Ah non. Il est là. Ah ouais, tiens, tu vois. Ouais. Bogart. Son pied, il est là. Non. Si, c'est son pied ça. Ah ouais. Bah ça, ils l'ont moulé. Les potes, la fin de la vidéo, j'espère que vous avez kiffé de fou. Nous, comme je vous ai dit, regardez-moi ça, le petit café qui fait plaisir, on le verse les petits potes. J'espère que ce vlog reportage du Stade Rennais de voilà, de la salle des trophées, les vestiaires, le stade, les tribunes, etc. J'espère que vous avez kiffé. Franchement, moi déjà, j'ai kiffé sur le moment, l'instant T. Dites-moi en commentaire vos ressentis de cette vidéo. Si vous voulez d'autres vidéos comme ça, où on vlogue, hein, tout simplement. Moi, je kiffe vloguer, c'est kiffant. Puis n'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu, les abonnements et les commentaires, les petits potes. Nous, on goûte le petit café pour la fin. Et ben, l'Indonésie, il est pas fou, hein. Les petits potes, je vous dis sûrement à demain pour une prochaine vidéo. C'était Steven et Michel. Le Stade Rennais vous embrasse. Et moi je vous dis, ciao ciao.